Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft. Plusieurs choses dont on va parler aujourd'hui dans cet épisode, on va faire du gameplay forcément, vous allez le voir en direct. Enfin non, pas en direct pour le coup. Oh, il est joli, il est coloré. Oula, blablabla. Bref, on va parler plusieurs choses, avant tout déjà de la prochaine update. Appelé The Changing Battlefield, je crois, qui correspond à la mise en place de certaines nouvelles règles, encore une fois un nouveau changement dans l'évolution du jeu de Robocraft. Nous pourrons monter jusqu'à 2000 CPU dans un seul robot. Juste comme ça, c'est quand que tu refais des platoons avec ton clan, parce que moi je suis un dabo et j'aimerais bien jouer avec toi. Alors pour ce qui est des platoons, j'en ai fait récemment dans un live, donc je vous invite à rejoindre le groupe Steam. Et je vais mettre aussi moi personnellement à faire des annonces sur YouTube que je suis en live. Voilà comment je vais gérer l'histoire. Arrête de me rentrer dedans. Mais cassez pas, mais poussez-vous! Hop. Hop. You are dead. Damn, you are dead, man. D'accord. Okay. Hop. Bon, il se fait constant heal, c'est dommage. M'en fous, j'aurai le temps de... Ah bah non! Ah bah non! Hop. Hop. Alors pour ce qui est encore une fois des parties avec abonnés, j'en ai fait en live, chers amis. Hein. Donc là, il faudra rejoindre les lives, je pense. Hein. On en fera le week-end ensemble. Tout simplement. Et ce sera avec ceux qui seront sur le live. Sur ceux qui sont sur le live, simplement. Hein. Ce sera aussi simple que ça. Bon, par contre, j'aimerais bien qu'on me... Ah, ok. C'est pas grave. Je vais faire 100. Si vous pouviez ne pas rester à 40 km. Ce serait cool. Hop. Voilà. Après, je suppose que tu vas répondre dans ta vidéo. Bon, à pas. Voilà. C'est bien, David. Tu me connais bien. Voilà. Bon, bah voilà, j'ai répondu à toi. Je t'ai répondu, David. Donc, j'espère que tu auras le message. Donc, voilà. Ça se passera en live. Et comme ça, ce sera beaucoup plus simple à organiser. Et ce sera beaucoup plus rapide. Parce qu'organiser ça pour des vidéos, en fait, finalement, on prend beaucoup trop de temps. Beaucoup trop de temps pour pas grand chose finalement en termes de vidéo, vu que finalement les parties sont assez courtes et je prépare, ça prend parfois plus de 3 ou 4 fois plus de temps à préparer la partie qu'à jouer, donc c'est terrible. Donc voilà, oui, donc la Changing, The Changing Battlefield, je crois que ça s'appelle comme ça, hein. Hop. Ok. Je serais pas contre un poil de régène, merci. Oh non. Hop. Ah. Ah. J'arrive pas à reculer, les filles, cassez-vous. Ah, je vais mourir. Merci. Merci. Ah. Tiens, je connais ce numéro. Ah, je connais cette vibration. Hop. Hop. Ah, j'ai été spotted. Wouh! Ah si, ah non, ça c'était mes mails.
Pourquoi est-ce qu'on se rentre constamment dedans? Aïe. J'aimerais récupérer... Ah, saloperie qui me saute par-dessus. Aïe, aïe, aïe. S'il n'était pas constant, il... Hop. Non, non, non. Merci. Encore un poil. Un tout petit peu de heal, ça serait cool, merci. Hop. Comme ça, moi, je peux vous healer hors tour. Crac. Hop. Oula. Oula. Oula, je l'ai pas... Ah non, c'est un copain, celui-là. Ah non, c'est un shotgun qu'il a, lui, non? Ah, bah, c'est le shotgun qui m'a tué, c'est bien ce qui me semblait. Donc voilà, oui. Alors, je vais y arriver pour les mises à jour. Donc, changing machin, donc changing battlefield. On va avoir jusqu'à 2000 CPU. Il y aura plus de, entre guillemets, de rang de jeu. C'est-à-dire que vous pourrez jouer avec un mec qui a un robot à 3 CPU. Et un mec qui aura un robot à 2000 CPU dans le même groupe. Enfin, dans la même partie. Ce qui veut dire qu'on va se trouver avec des parties complètement inégales, je pense. Hein, mais bon, on verra bien. Hein. Mais je pense que ça se passera comme ça. Pour ce qui est des 2000 CPU, apparemment c'est la dernière fois, si ça règle pas le problème, si les 2000 CPU ne règlent pas le problème, nous aurons... Hop, nous aurons, pardon, excusez-moi, si t'as un petit peu de heal, je suis preneur, mais apparemment t'es un poil radin. Hop. Donc voilà. Donc pour ce qui est des 2000 points, si vous avez pas les 2000 points, alors c'est là que je trouve que ça vient un petit peu trop fort. Si vous avez pas les 2000 CPU de prix, ce qui vous reste sera rajouté en énergie restante. Hop. Hop, voilà, ça c'est fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends en disant énergie restante? J'entends, oh merde, j'entends mourir bientôt, voilà. J'entends que si par exemple vous avez 1750 CPU, et Viscorn, il est déjà de quel côté? D'accord. Et ben les 250 points seront convertis en 250 points d'énergie, ce qui permettra de tirer plus longtemps, tout simplement. Donc voilà. Voilà le résultat, entre guillemets, de ça. En plus de ça, il va y avoir une modification de fait, du coup, comme il y a un problème, comme il y a une modification du système d'énergie avec les CPU, il va y avoir une modification du système d'énergie en règle générale aussi, vis-à-vis du Power Booster, qui, vous savez, normalement donne une plus grande marge à lui tout seul d'énergie. Par conséquent, du coup, bah, l'utilité de ce truc-là va disparaître, vu que, en fait, si on gagne 250 points d'énergie avec un machin qui en prend 250, c'est comme si ça avait rien. Et donc, en fait, là, ça va simplement être une recharge d'énergie gratuite à cooldown. Tout simplement. Hop. 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 On va essayer de grimper par là. Donc voilà les modifications à venir sur le jeu. Honnêtement, j'attends de les voir, mais je pense pas que ça va être... la chose la plus efficace qu'on ait jamais vue, honnêtement. Je pencherai plutôt pour quelque chose qui va être vite corrigé, j'espère en tout cas vite corrigé. Même si je dois vous l'admettre... J'ai quelques doutes. Ah la vache, il fait vachement mal. J'ai quelques doutes sur la vitesse d'adaptation, mais bon, on verra bien. Simplement, je... Enfin, le principe de me retrouver avec des personnages qui... Des personnes qui n'ont pas forcément des super... Pas forcément des super robots. Ça pourra casser un petit peu. Ça va forcer les gens à jouer en équipe, ça c'est clair, en clan. Hein.
Mais est-ce que c'est véritablement une bonne idée? Ça, je ne sais pas. Donc bon, on verra, on verra, on verra. Si certains d'entre vous, alors je vais changer un petit peu de sujet là, 2 secondes. Si certains d'entre vous ont une expérience du Discord en règle générale, j'aimerais leur avis sur quelques petites choses. Je vais avoir un Discord sur la chaîne, hein. Par conséquent, ça permettra à certains d'entre vous de jouer en groupe avec un canal vocal, tout simplement. Ça va être extrêmement simple. Donc voilà. Voilà, ça va venir pour Starbound, pardon, ça va venir pour Starbound, ça va venir pour Robocraft, ça va venir pour Elite Dangerous. Il va y avoir le canal, des canaux, pardon, de disponibles justement pour ces. Hop. Dis-moi que je t'ai sauvé la peau. S'il n'y avait pas ce fichu machin volant, je pourrais y arriver. Hein. Retourne sur le protonium. Hop. Merci. Hop. Hop. Hop, voilà, fini. Donc voilà, n'hésitez pas à vous présenter, j'aurai besoin de tester tout ce qui est différents rangs en fait dans le Discord. Donc voilà, c'est prévu malgré tout, vous inquiétez pas, il y en aura un. Là, il est même en construction, si je puis dire. J'ai créé plusieurs salles, j'ai créé plusieurs choses. J'essaie de créer des règles et des lois, mais ça va être compliqué. Pour savoir qui peut parler dans quel truc, etc. etc., etc. 13 000 points, c'est pas mal. Gold. Épique. Et d'ailleurs, dans le live que j'ai fait, chers amis, j'ai tombé un légendaire. J'ai tombé. Hop. Un de ces magnifiques canons. Voilà. Ce qui me fait penser, d'ailleurs, on pourrait passer vite fait dans la factory. Voir rapidement pour any weapons. Plasma, je parle des légendaires, je parle. Hop, voilà. Et vous voyez que les robots sont pas excessivement chers. Alors là, j'ai pas ce que je cherche. Là, j'ai pas ce que je cherche non plus. Là non plus. Est-ce qu'il est véritablement puissant ce truc-là? Bah, c'est bête, je cherche un truc avec. Vous êtes sérieux? Bon, c'est pas la peine. J'abandonne. Ça marche vraiment ce truc-là parce que. Effectivement, c'est moche. Ouh, ça par contre, c'est un poil plus joli, effectivement. Parce que c'est efficace, cela dit, je suis curieux. Alors, qu'est-ce que je dois payer? Parce que là, normalement, ça, je l'ai déjà. Qu'est-ce que je dois payer? Bizarre. Bizarre, bizarre. Bon, on verra là-dessus une autre fois. On verra là-dessus une autre fois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir avec un autre robot. Potentiellement, potentiellement un robot de ce genre ou un dragon, un simple petit dragon, ça va changer. On retourne en Battle Arena, hop, c'est de tomber un petit peu plus souvent à la map, mais j'ai du mal à faire tomber la nouvelle map. Donc voilà, pour le Discord, j'en ai parlé pour la prochaine match, j'en ai parlé pour du coup bah, les lives, j'en ai parlé. Je ferai des vidéos d'annonces de live, ça faut que je pense vraiment à le faire. Dans le pire des cas, ce sera simplement. Un petit passage je sais pas sur YouTube en live ou n'importe quoi, même une vidéo peut-être tournée directement après mon téléphone. Ça marche, donc écoutez, si je peux le faire, je le ferai. Hop, bah, vous savez quoi, on va faire ça comme ça, je pense, hein, on verra, hein, mais ça sera peut-être ça.
On va bien voir. Hop. C'est parti. Hop. Ouais, je m'en doutais qu'il y avait un sniper. Il y en avait forcément un. Hop. Hop. Hop, j'ai touché. Ok. On va essayer de les sauver nos copains. Aïe. C'est mal parti! Hop. Hop. J'ai l'impression de faire zéro dégâts. Hop. Bouf. Hop. Mon dragon! Faut que je me pose. Faut que je me pose. Ah merde. Toujours là, lui. Aïe. 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 Merci, les filles. Hop. Ah! Ils sont trop nombreux! Ils sont tous focus ici, ils sont trop nombreux. Hop. Ils sont solides en plus, dis donc, où je fais pas de dégâts. Oh, what? Ils ont récupéré cette tour. Hop, aïe. Hop, c'est bon. Hop. Ah, mais ils se font constant. Oula. Oui, c'est un copain. C'est un copain, c'est un copain. Oh la vache! Mayday! 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 Ah, là ça va puer du cul! Voilà! Ce dragon est stylé, mais je trouve que niveau dégâts, il pourrait faire plus quand même! Je suis dans le milieu de tableau. Hop! En plus, j'ai I believe I can fly dans la tête! I believe I can fly! Tu pourras pas t'enfuir, mon pote. Parle par russe, on comprend pas. Hop. Je me pose. Bla. Enfin, je me crache, hein, plus que je me pose. Hop. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Je suis unijambiste. C'est l'histoire du dragon unijambiste. Communément appelé Unijambix. Il n'avait qu'une seule jambe. Je suis désolé, j'aimerais avoir du huile à te proposer, mon ami, mais j'en ai pas. Si j'arrive, si c'est bon. Et tu t'en vas. Tu me dis si t'en veux ou pas, hein. Ah bah GG, bah j'ai rien fait. J'ai rien vu, rien fait. Bon. Bon bon bon. Bon bon bon. J'ai rien vu, rien fait pour le coup. Là c'était une tristesse. On a été assez moyen. On a été assez moyen. Comment ça, il y a 1h40 de montage? C'est pas grave. C'est rien, hein. On va pas en vouloir au truc, hein. On a au moins eu du rare. C'est cool.
Bon! Eh ben écoutez, chers amis, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, dont vous pouvez simplement rejoindre. Que vous pouvez simplement rejoindre en passant par la bannière de la chaîne, tout simplement. Excusez-moi, là c'est parce que j'avais Boyle dans la tête, Charles Boyle, pour ceux qui connaissent. N'hésitez pas en tout cas, encore une fois, à commenter la vidéo vis-à-vis de ce que vous avez pu entendre, de ce que vous avez pu voir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo!